Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien se plonger pour un nouveau dans de Black Turn 13, excusez. Il nous donne max de potions, pelle, ok. Pelle, épée, fuck. P3, il nous donne max de trucs mec, mais j'ai pas de place dans l'inventaire. Tu veux? Ouais. Il m'a donné un bâton en royal, une ou U3. Oh putain, attends, épée, non. merci mon pote. Elle est super stylée l'épée en royal mec. Viens voir le gars son épée. Je non t'inquiète, mais l'épée, le gars il a l'épée sur lui là. Elle est stylée hein, de ouf. Ah ouais. T'as vu ça? J'ai eu plein de potions. Elle est stylée l'épée mec. Ouais. Aussitôt que j'en ai, je vais faire une épée. Bon bref les amis, pour ce nouvel épisode j'ai décidé de commencer... avec en fait le craft de l'épée parce que j'ai assez de royal normalement. Je suis pas sûr mais je pense j'en ai seulement 4, il m'en faudrait deux royal. Donc on va poser tous les potions qu'on a eu. Voilà. Oh, des outils. Mec, j'ai des outils de ouf pour toi. Ah ouais? Ouais. En machin là, en palifix. Non, en alpha saphir, mais ça reste des outils de ouf, tu vas voir, t'es où? Ouais bah j'ai une OK. En fait, ça c'est nul. Ça c'est putain de bon, le bâton royal mon pote. Ouais. Ça plus ça, ça je vais mettre ça ici. Ça je vais mettre là. Ça là, voilà. Ça, ouh, ça c'est une putain d'épée de pour farm, Smith 5. Smith 5. Ouais, je sais. Pour le... Ouais, je pense que ça va fonctionner, c'est pas grave. J'ai du cuir, putain, je peux faire des livres. Oh. Yes. Je crois que c'est comme ça, non, l'inverse. Putain, je peux pas en faire beaucoup, mais bon, quand même. Je peux en faire 9. Donc, on va chanter des niveaux 1 sur les livres, les gars. En espérant qu'on peut avoir du protection. Yes, sir, protection 1, justement. Protection 1, justement. Efficité 1, justement. Bah, je justement. Pense que ça m'a fait crash, yes. Sérieux? Oui, Malfox. Ok, je me barre. Non. Ok, le gars se tire d'un coup comme ça. Allez, salut. Ah, il m'a fait crash mon test, ce bâtard. Attends, et voilà. Bah, attends, moi, je re deux secondes. Vas-y. Ah, j'ai vraiment crash test. Ah, bah, putain, on a eu pas mal de P1. Ah, le bâtard, je peux vraiment rien faire. Attends. Bah, attends, je pense à quitter. Ok, j'ai un livre P3 déjà direct, mon pote. Je suis bientôt prêt pour faire le P4. Je vais prendre kit XP. On va refaire des livres, faut retrouver de la canne à sucre. On peut acheter de la canne à sucre au spawn, tu penses? Ouais, c'est vrai, il a crash, ce bâtard. Ouais, petit bâtard, on peut acheter de la canne à sucre au spawn ou pas? Je te vois encore dans le TS. Ouais. Attends, faut que je kick, désolé. D'accord. Ah oui, on peut en acheter. Vous n'avez pas d'argent. Quelqu'un peut m'envoyer de l'argent? Eh, tu peux m'envoyer de la thune, mec? J'ai pas beaucoup, hein. Tu veux combien? T'as combien? 500, je crois même pas. Bah donne-moi juste genre 200 pour que j'achète deux fois deux stacks de 64. Ah ouais, non, j'ai plus de 238, bah je t'envoie 200. Bah fais juste m'envoyer 100 alors, ça va être bon, j'ai 64, ça va être bon. 500. Merci ma poule. Ok, super, slashback. Je vais faire ça, je vais crafter du papier, puis après ça, ok, c'est good. Tantôt j'ai réalisé aussi les amis qu'on s'était affronté à une personne vraiment puissante sur le serveur. Fusion, c'est un des plus riches du serveur, on m'a dit, donc on s'est vraiment attaqué, ouais. On s'est attaqué à la une des... Du moins, on s'est fait attaquer par une des factions les plus grosses du serveur, donc... Bah, en fait, ouais, on a quand même attaqué, mais... Bah, c'est Francis qui a attaqué. Ouais, enfin, voilà. Et du coup, on a défendu. Bon, bah, enchantement d'une pioche en Fifalite. Partie niveau 30. Je spawn. Power 1, on s'en fout. Oh, efficace, c'est 4 en moins. Unbreaking, c'est un peu rien. On s'en fout. Faudrait qu'on soit capable... Est-ce qu'on est capable de mettre deux livres ensemble pour que ça se remette un livre normal ou pas? Non, je pense pas. Hein. Ouais, ça aurait été trop bien. Peut-être 1.9, je sais pas, mais... Shit. Ok, attends. Là, on a deux livres, donc on va faire déjà un P2. Je crois que ça prend deux niveaux. Ouais. On a un P2, il faut juste un autre protection. Non, on va faire sharpness. Non, fuck le sharpness. Plus ou moins pour l'instant, on va laisser tomber le sharpness, les gars. On va mettre ça ici. Oh mec, t'es mal, la pioche en pivalite. Qu'est-ce qu'elle a? T'es mal, tu la vois pas? Non, je suis bleu. Montre.
Regarde, attends. Je te vois pas, mec. Attends, bah je bouge. Ah ouais, ok. Bon. Attends, le manche, il est bleu. Oh, stylé, mon pote. Stylé, stylé. T'en as fait deux? Non, pour moi, j'en ai fait une. Ok. Bah, essaie de... Ouais, essaie de m'en refaire une. Au moins, en crafter une, quoi. Je mettrai... Ouais, j'ai plein de livres FNC ici, donc je les ferai, quoi. Top icons Minecraft. Ok. Et au 30, j'ai... Ah bon, ça va, efficace T4. Ouais, attends. Parfait. Maintenant, il faut juste que j'ai un breaking 3 efficace T4 à la prochaine, et c'est parfait. Je vais faire un niveau à fois, comme ça je vais pouvoir économiser des niveaux. Putain, j'arrive pas à avoir le livre protection 1. Sharpness 1 quoi, Infinity 1, putain. Quoi? Et what? Non, pourquoi tu... Non, il faut montrer le home ici parce qu'on a changé un truc en fait. Le anti-FK il sert à rien en fait, vu qu'il y a un endroit en fait où les trois spawners spawnent en même temps. Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Chaud. Attends. Là. Putain, j'ai juste des sharpness 1. Eh, je vais rage quitter mon pote, je te jure. Mais de quoi, t'as juste des sharpness 1? J'ai juste des sharpness 1, j'ai pas aucun fucking P. Ouais, bah, les sharpness, c'est déjà pas mal, tu fais une putain, eh, c'est bon, je me tire, allez, salut. Non. Mec, je te jure, j'ai rien eu. Enfin, je l'ai eu, putain. P1, P1, on va faire un P2. Avec ça, P4, donc on va faire juste une partie de notre stuff aujourd'hui, P4. Il est un peu endommagé, mais on s'en fout un peu, les amis, là. Enfin, c'est pas si grave que ça. Donc, on va faire ça. On va se mettre un peu dans l'anti-FK pour activer les trois spawners. Ouais, on va se mettre un peu dans l'anti-FK ici. Tout le monde, on va juste se mettre ici. Comme ça, on est sûr que les trois spawners vont spawner. Et je vous reprends quand qu'on est prêt à faire tout ça. À tout de suite. Yop, on est de retour. Donc, en gros, ouais, j'ai juste AFK. J'ai même pas FK, en fait, qui est chaque qui m'a montré comment faire, puis... Vite fait, on l'a fait. Donc, 2P1, 2P3, et là, ça, c'est 7 niveaux, donc il nous manque encore un petit peu. Bah, fait... reste, je vais rester avec toi, si tu veux, pourtant. Vas-y, t'as T'as combien de niveaux en ce moment? Moi, j'en ai 4 fois. Ok. Ouais, bah, tu sais quoi, je vais rester AFK moi-même, et puis, pendant ce temps-là... Bon, bah, de toute façon, après, on va faire une game CS, donc je reste AFK, je fais le P4, après, on fait une game CS. Ok. Ok, ma poule. Au pire, ouais, reste AFK, puis moi, je vais tuer les trucs. Ouais, c'est ça, monsieur. Pire des pires, ça va aller plus vite comme ça. Pire des pires en même temps. C'était 7 que j'avais dit, right? Ouais, exact. Bon bah, je suis à 8, c'est bon. Allez, stage back. C'est quoi, je pense que je vais amener une enclume ici parce que ça va pas le faire ça. Oh, si tu veux. Et c'est aussi un truc qui est... On va pas dans les coques en plus. Stage back. Le truc aussi qui est chiant, c'est que... Les potions de speed sont qu'une minute. Ça plus ça, 7 niveaux. Voilà. Et là, si je vais le mettre sur mon pantalon, vu que ça n'a pas vraiment besoin de P3 un pantalon, c'est 9 niveaux. Et si on veut le renommer, 16 niveaux. Icons legging. Icons legging, ça coûterait 16 niveaux. Let's go. Donc 16 niveaux, let's go. C'est parti, ça va être vite les amis, inquiétez-vous pas. Les trois spawners marchent ensemble, donc au calme. J'arrive pas à les taper celle-là, ouais, ok. J'ai un très bon aim comme vous pouvez le témoigner. Donc, 5 niveaux déjà. Savez-vous quoi, ça coûte combien? 6? Ouais, on va pas le renommer, ça sert un peu à rien. Enfin si, mais non. On pourra le renommer après. Ça va être parfait. Donc, comme ça, comme ça. Comme ça, 9 niveaux, c'est ça, 9. Parfait, je m'étais trompé de 1. Je trouve qu'elle est stylée, l'armure en vrai rose, comme ça, moi j'aime bien. Keshek, c'est qu'il reste coincé à toi, en fait, les araignées. Ouais, bah je descends. Elles prennent le focus. Là, je tourne autour, ça devrait être bon. Ouais, nickel. C'est bon, j'ai bientôt 9 niveaux, je crois, quand tu vas tout seul là, j'ai 9 niveaux. À moins que tu m'aies volé un niveau, là. Ouais, tu m'as volé un niveau. Ouais, là. Je te vole un niveau. Putain. Des niveaux même. Ah c'est bon, j'ai 9 niveaux, nickel. C'est bon, tu peux faire ton truc. Ok, ouais, ben go, on va sur CS. C'est le gars. On base, je remets ça à la base. Et puis, on va... En fait, je vais mettre ça dans mon coffre, mec. Pas l'endommager, enfin. Oh merde, j'aurais dû le mettre sur le casque en royal. Non, je vais faire un truc P3, U3 sur le quel truc en royal. Voilà, Jean-Bierre P4 en Fifaline.
Et on a encore des livres puis ainsi de la merde des Underpearl que quelqu'un m'a donné, je me souviens. Donc, ça, c'est bon. Ça, tous les outils, on va tout laisser ça là. Attends, les outils, je les mets dans mon Under, sauf ça. Sauf la... Ouh, putain, excusez. Voilà, tout ça, plus ça, plus ça, ici. Donc, oui, désolé, je suis un peu mélangé, là. Tout ça, ça va là. Let's go. Fait qu'on se retrouve, les amis, tout de suite après. Moi et Keshok, on se retrouve sur CS. Bisous. Yo, what's up les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de l'épisode 12. Donc, je voulais juste vous dire que j'ai pas d'autres gameplay, j'ai rien d'autre à vous montrer aujourd'hui. On va recommencer demain avec un nouvel épisode. Donc, salut. Je voulais vite fait vous montrer un peu l'avancement de la base. Donc, on a fait des machines à potions ici, normalement, qui devraient produire bientôt. Là, je viens juste de me connecter à la base, donc ça produit pas encore. En haut, on pense agrandir encore, on sait pas trop ce qu'on va faire encore. Pour l'instant, je descends encore un petit peu. Voilà, il y a encore du stuff ici dans les coffres comme d'hab. Pour l'instant, on a aussi la farm de PNJ qui s'en vient quand même pas si pire. Donc, je vais faire home PNJ. Vous allez voir, ça s'en vient vraiment super bon. Donc, c'était ici. Donc, en gros, les zombies spawn dans les spawners là, vous l'avez compris. Ensuite, on met ça. Quand il y a un zombie qui nous voit, ça va ici, toc, jusqu'en bas. Puis là, quand le zombie est regardé, on va faire ça. Tac, tac, le zombie s'en va jusqu'ici. Et là, nous, on va créer une salle où on va pouvoir entretenir des PNJ. Donc, on va quand même faire rouler l'émeraude. Donc, ça va bien fonctionner. Bien, merci. Correct. Je vais juste dire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Home XP. Qu'on a modifié. Oh, je me suis fait voler mon stuff, j'ai l'impression. What? J'étais pas full fluorite. What? Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté sur mon compte. Probablement j'étais pas à la place que j'étais. Oh, what the fuck? Ok, non, mon stuff est là. Ouf, j'ai eu peur pour un instant, je me suis dit, what the fuck? Ok, donc, ouais, comme vous avez vu, j'ai mon stuff, on a un peu de chroma ici, la casque encore en royal. Donc, pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis pas super, j'ai masse de chroma, de FIFA, de royal, de ressources pour se mettre bien. Comme je l'ai dit, on va recruter sûrement un prochain épisode. Ça va vraiment être un épisode où on va se consacrer recrutement, donc, laissez vos candidatures dans la description ici, les amis, on va essayer de regarder avec Keshox. Puis voilà, en espérant que l'épisode vous a plu, si l'épisode vous a plu, laissez un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Icons, bisous!